Et il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, l'enfant ne s'est pas réveillé. Quelqu'un dit Amen. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Bien aimé, ce que nous sommes en train de voir ici représente la condition de plusieurs. Ici, il s'agit de Géasi, un serviteur d'Élisée, qui est envoyé pour aller prier pour un enfant. Déjà là, Géasi prend le titre d'un envoyé. Tel que nous nous sommes envoyés par le Seigneur. C'est comme ça que Géasi était envoyé par Élisée. Et quand il arrive devant le problème, la manière dont on lui avait envoyé, les instructions qu'on lui avait données étaient respectées. J'aimerais un peu ouvrir une parenthèse par rapport à ce que Élisée dit ici. Ça n'avait rien à voir que si quelqu'un les saluait, certainement, il allait perdre la puissance, non. C'était seulement l'urgence. C'est-à-dire la mission était tellement urgente. Mais bien aimé, lorsque Géasi arrive là où Élisée l'avait envoyé, il avait en face de lui un cadavre. Et Élisée lui a dit de mettre son bâton sur le cadavre. Il a fait tel que Élisée avait dit. Mais écoutez la réponse. Il y a une voix. Les signes d'attention. C'est ça qu'on appelle la zone du silence. Mais pourtant, quand il était envoyé, certainement Élisée se disait qu'il doit y avoir un miracle. Il doit y avoir quelque chose. Mais malheureusement, rien ne s'est passé. Et plusieurs chrétiens, plusieurs personnes sont dans cette situation. Ou même quand on prie, il y a ni voix ni signe d'attention. Je l'ai dit ici, au niveau de cette zone, les gens qui peuplent cette zone se laissent quelquefois corrompre, consoler par certaines choses qui n'ont rien à voir avec leur prix, c'est-à-dire le prix de leur âme. Bien aimé, tu peux perdre aujourd'hui la voix du Seigneur, mais tu peux gagner l'argent quelque part. Tu peux perdre la connexion avec Dieu, mais tu as gagné un travail quelque part. Tu peux perdre le contact avec le ciel, mais tu as gagné un mariage quelque part. Tu peux être hors connexion par rapport au ciel, mais tu es branché par rapport à une avancée quelconque sur tes pieds, une percée quelconque. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que plusieurs se font consoler. Or, normalement, bien aimé, vous êtes dans une zone très dangereuse. Très dangereuse. Et lorsque vous mesurez le degré, vous devez normalement chercher à quitter cet endroit. Mais au moment où je suis en train de parler, plusieurs sont devenus stables dans cette zone. Dieu ne parle que par des jeûnes intenses. Dieu ne parle que par des disciplines extra élevées. Non. Non. Dieu n'est pas seulement un maître. Mais il est un père. Azape tata. Un père. Azape tata. Amen. Amen. Un père. Azape tata. Regardez la manière dont Isaac est en train de parler avec Abraham. La Bible dit qu'ils étaient en train de monter au lieu du sacrifice. Isaac dit à Abraham. Isaac a dit à Abraham. Père. Et Abraham répond, mais voici. Voilà le langage d'un père. La Bible n'a pas dit que Isaac était à genoux. La Bible n'a pas dit que Isaac s'était privé de la nourriture.
cette relation entre père et fils. Alléluia. J'ai vu encore dans la Bible un fils qui était encore tout sale. Qui était tout sale. Et qui respirait encore le péché. Mais lorsqu'il a pris la décision de rentrer vers son père, bien aimé, ces liens de paternité a fait de sorte que le père n'a pas vu la saleté de son fils. Il a couru et il est allé se jeter à son cou. Mais pourtant cet enfant-là rentrait à la maison, il était crasseux. Il était sale. En lambeau. Il est rentré à la maison. Mais bien aimé, la paternité ne voit pas tout ça. La paternité ne voit pas tout ça. Il a couru vers son fils. Et il est tombé à son cou. Vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est la paternité. Je le dis, Dieu n'est pas seulement un maître. Mais il est aussi un père. Et bien aimé, quand la connexion est déjà coupée, quels que soient les avantages entre guillemets que vous pouvez vivre sur cette terre, quels que soient les avantages dont vous allez bénéficier sur cette terre, vous courez un grand risque. Un grand risque. Alléluia. Amen. Lorsque nous lisons ce texte de la Bible, l'enfant pour qui Élisée et Géasi étaient en train de prier était déjà sur la liste des ressuscités. Mais en face de Géasi, cet enfant était compté parmi les morts. Mais en face d'Élisée, cet enfant est compté parmi les ressuscités. Pourquoi? Vous allez vous rendre compte que les deux serviteurs n'étaient pas installés dans la même zone. Comprenez ce que je dis? Élisée était en contact avec le Seigneur. Géasi de son côté ne l'était pas. Vous comprenez ce que je dis? Il pouvait obéir à un serviteur de Dieu, mais sa force était les dieux que Élisée servait. On peut être en bon accord avec un serviteur, mais quand on n'est pas en bon accord avec l'éternel Dieu, rien ne peut se passer. Alléluia. Amen. Alors quand nous lisons ce texte dans la Bible, nous allons nous rendre compte que les gens qui ont l'attention fixée à l'égard de l'éternel Dieu sont à l'abri de plusieurs malheurs. Je parlerai même de tout malheur. Parce que l'éternel est celui qui nous avertit. Dieu est celui qui nous parle. Mais il faut que vous soyez capable de garder la position qui vous permet d'écouter Dieu, de voir et d'entendre, de capter et de comprendre. C'est une zone qui vous donne en fait cette façon de vivre. Ça devient difficile. J'aimerais quand même que nous puissions revenir sur certains points concernant la dangerosité de vivre dans cette zone de silence. Bien aimé, vous savez le risque que courait notre père Abraham? Il n'y a pas que lui, mais il y a aussi Isaac qui était avec lui. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé la marche avec Dieu là où ils ont entendu Dieu, mais ils ont continué la marche dans une zone de silence. Là où j'aime la manière de servir d'Abraham, il a écouté Dieu chez lui. Il a gardé Dieu jusque sur la montagne. Mais regardez déjà le problème qu'il avait. Dieu lui demande d'offrir son fils. Bien aimé, Abraham pouvait déjà sortir de ces cadres-là d'entendre Dieu.
et de commencer à réfléchir après avoir tué son fils. Ça pouvait déjà lui le déconnecter. Seigneur. Mais ce n'était pas son problème. Même si ses problèmes étaient là, devant. Mais il a préféré garder qui est la solution à tout problème. Mais généralement, dans la vie de plusieurs personnes, on peut commencer avec Dieu, mais quand un problème surgit, on se concentre sur le problème, oubliant que le problème ne peut pas résoudre ce qui est en train de nous nuire, mais plutôt c'est l'éternel Dieu qui est la solution à tout problème. Abraham s'est dit, c'est Dieu qui demeure la solution à tout problème. Donc je préfère garder Dieu et mettre de côté ses problèmes. Et aussi longtemps que l'Éternel est là, ses problèmes trouveront une solution. Mais si Dieu n'est pas là, ses problèmes deviendront encore plus graves. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'il a continué à avancer. Écoutez ce que l'Éternel lui dit. Tu l'offriras sur l'une des montagnes que je t'ai montrées. Ça dit, tu n'es pas libre. Même si tu vois une belle montagne, tu dois écouter l'Éternel. Et ce qui a préservé Abraham de cette épreuve, pour que cette épreuve ne devienne pas un crime, il devait écouter le Seigneur. Et quand il est arrivé à Morijan, il devait écouter Dieu. Sur quelle montagne Abraham allait offrir son fils? Je l'ai dit maintes fois ici, bien aimé, le bélier qui devait normalement remplacer Isaac n'était pas sur n'importe quelle montagne. Il était sur la montagne de Dieu. Et la montagne de Dieu, il n'y a que Dieu qui peut vous la révéler. Parce que l'intelligence de l'homme ne peut pas trouver en elle-même la montagne du Seigneur. Et Abraham était connecté au ciel. Quand il est arrivé à Morija, il a vu plusieurs montagnes. Et comme il était en parfait accord avec le ciel, le Seigneur lui a montré la montagne là où il devait sacrifier Isaac. C'est là où il a déclaré en disant, sur la montagne, l'Éternel sait pourvoir. Parce qu'il n'est pas celui qui vient après, mais il est celui qui nous précède là où il nous envoie. Donc, ce bélier était déjà là avant que même Abraham ne puisse arriver. Alléluia. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de voix ni de signe d'intention, le peuple court un grand danger. Et le danger que vous courez, vous pouvez écouter vos propres intuitions. Vous pouvez écouter vos propres pensées. Quelquefois, on le passe pour la pensée du Seigneur. Quelquefois, on veut le convertir en une pensée du Seigneur. Alléluia. Amen. Tout simplement pourquoi? Parce que on est dans une zone de silence. Et quand je parle de la dangerosité de cette zone, il y a deux acteurs qui parlent. Lorsque vous vous retrouvez sur cette zone, premièrement, il y a votre chair qui parle. Et deuxièmement, il y a l'ennemi qui parle. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé, même les apôtres, certains ont connu ces problèmes. Le jour où l'Éternel Dieu a eu à réprocher Pierre, Jésus a réproché Pierre. Sur quoi? Lorsque Pierre a dit, ce que tu dis là n'arrivera jamais. Jésus est en train de dire que nous arriverons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera arrêté, battu et livré. Pierre dit, ce que tu dis là n'arrivera jamais. Avez-vous connu la réponse de Jésus? Il dit, arrière de moi, Satan. Vous savez pourquoi?
Parce que Pierre était déjà dans une zone de silence de Dieu. Et je me plains de ce que Pierre n'a pas pu garder cette grâce qui lui a permis d'être connecté au ciel. Il est l'apôtre qui a répondu. Lorsque le silence est imposé, quand Jésus a posé la question de savoir qui suis-je, tout le monde était silencieux. Certains ont commencé même à parler de la manière dont les hommes considéraient Jésus. Tu es Jean-Baptiste. Tu es Jérémie. Tu es Élie. Jésus leur pose la question. Mais vous, qui dites-vous que je suis? Le silence s'est installé. Mais il y a quelqu'un qui a reçu la grâce de sortir de cette zone de silence. Il s'appelle Pierre. Il a dit au Seigneur, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répond, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Le Seigneur fait voir que Pierre était connecté au réseau céleste et il n'était pas dans cette zone de silence. Dieu lui a révélé qui était réellement Jésus. Mais Pierre, au lieu de garder cette statue, un jour, celui qui a parlé de la part de Dieu a aussi parlé de la part de Satan. Parce que là où Pierre s'est retrouvé, c'était la zone de silence où il ne pouvait entendre que sa propre voix ou la voix de l'ennemi. Et Jésus a bien précisé, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Parle à qui? À Satan. La zone du silence. Une zone très dangereuse. Où vous pouvez être là en train de prier. Vous voyez une image. Ça ne vient pas de Dieu. La Bible me dit, par la multitude des pensées peut naître une image. Amen. Tu as une âme. Elle peut aussi te mettre des images qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et lorsque vous sautez dessus, ce sont les conséquences qui vous montrent que ce n'est pas Dieu qui avait parlé. Mais ça va être déjà trop tard parce que là, vous êtes en train de consommer les conséquences. Il ne fallait pas que je le fasse. Amen. Amen. Plusieurs aujourd'hui deviennent comme Balaam. Ils s'élèvent, ils partent. Non parce que Dieu a parlé, mais parce qu'ils ont été orientés par leur propre désir charnel. Quand Balak dit, viens, je te donnerai la gloire d'un prophète, on est déjà flatté par cette invitation du roi Balak. Et ce qui se passe là n'a rien à voir avec Dieu. Alléluia. Amen. Rien à voir. Et l'autre côté. Nous avons intérêt, bien-aimé, à quitter cette zone. Parce que l'Éternel Dieu parle pas de manière à produire un son confus. Mais Dieu parle de manière à être précis. Alléluia. Amen. Dieu parle avec précision. J'aimerais quand même que nous puissions essayer de réfléchir. Vous connaissez Akab? Akab. Vous avez connu l'histoire d'Akab? C'est là où j'ai vu, bien aimé, que Dieu est vraiment bon. Il a arrêté de détruire quelqu'un. Non, ça dit qu'il a résolu de détruire cette personne. Qui se dirait Akab? Qui va détruire Akab? Un esprit est sorti devant l'Éternel. Il dit, moi je serai un mensonge dans la bouche de ses prophètes.
Et Dieu lui dit, va. Ce n'était pas un esprit saint, mais c'était un mauvais esprit qui s'est présenté devant lui. Et l'Éternel lui dit, va. Il est allé. Il a compromis tous les prophètes d'Akab. Tout ce qui servait et qui mangeait à la table de sa femme. Et quand Akab est en train de consulter ses prophètes, les prophètes lui disent, va, tu auras du succès. Va, tu auras du succès. Alléluia. Mais regardez. Lorsque le roi Ézéchias vient, il dit à Akab, il n'y a pas un prophète de l'Éternel ici. Et Akab répond en disant, il y a un ici qui s'appelle Miché, mais qui ne me dit rien de bon. Il dit qu'on l'appelle. Et on est allé l'appeler. Miché est arrivé. Que dit l'Éternel Dieu? Vous savez, Akab, en ce moment-là, portait déjà les titres d'un méchant. La qualité d'un méchant. Parce qu'il avait déjà abandonné l'Éternel Dieu. Mais quand on pose la question à Miché, que dit l'Éternel? Miché va d'abord répondre tel que le prophète l'avait demandé de parler. Il dit, va. Tu auras du succès. Et le roi lui dit, jusqu'à quand tu me diras des choses vraies? Regardez la bonté de Dieu. Regardez la bonté de Dieu. Dieu va parler par Miché. Il dit, j'ai vu Israël dispersé sur les montagnes, en train de fuir comme des brebis qui n'ont pas de berger. Bien-aimé, Dieu révèle encore le plan qu'il avait caché. Et pourtant, Akab est un méchant. Mais Dieu s'est préoccupé de lui révéler ce qu'il a arrêté. Donc il y avait possibilité que Akab échappe au complot que l'Éternel lui-même avait arrêté. Non, je comprends lorsque la Bible dit que Dieu est vraiment riche en bonté. Il a arrêté un projet. Il s'est permis de révéler ce projet. Alléluia. Amen. Si Dieu peut le faire à quelqu'un comme Akab, une personne qui était en train d'attendre le châtiment de Dieu, à plus forte raison, nous qui sommes encore en parfait accord avec le Seigneur, nous qui faisons partir de son royaume, dans notre qualité d'enfant de Dieu, ou de fils de Dieu. Alléluia. Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Ce qui nous permet de mesurer un peu ces dangers-là. Proverbe chapitre 29, verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Vous avez déjà vu un véhicule qui n'a plus de frein? Vous avez déjà mesuré les dégâts que ce véhicule peut faire? Amen. Quand un véhicule n'a plus de frein, mesurez les dégâts que ce véhicule va faire. Mais la Bible dit, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. Amen. Il vous est déjà arrivé chez vous à la maison d'avoir une ampoule grillée? Vous pouvez arriver au niveau de l'interrupteur. Vous allumez, mais vous êtes toujours dans le noir. D'accord.
Allumer. Opelisi. Éteindre. Obomi. Allumer. Opelisi obomi. Mais vous êtes toujours dans le noir. Kasi ozaka kana kati ya molili. Bien aimé, votre vie spirituelle ne peut pas être comme ça. Vous vous agenouillez. Il y a un silence. Vous vous levez. Il y a un silence. Vous ouvrez la Bible. Il y a un silence. Vous chantez. Il y a un silence. Non, la vie chrétienne ne peut pas être comme ça. Non. Tes genoux doivent être un interrupteur. Dès que tu te mets à genoux, la lampe s'allume. Dès que tu lèves tes mains, la lumière est présente. Quand tu y penses, la lumière est là. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsque vous êtes en parfait accord avec le Seigneur, même vos pensées deviennent une prière. Amen. Je ne dis pas vos paroles, mais vos pensées deviennent une prière. Ce n'est pas moi qui le dis. La Bible est claire là-dessus. Joseph n'a jamais dit à Marie, on va rompre. La Bible dit, il pensait rompre avec Marie. Un ange du Seigneur lui apparut. Et l'ange du Seigneur était la réponse à ses pensées. C'est comme ça que David est en train de dire, tu pénètres de loin ma pensée. Amen. Amen. Tu pénètres de loin. Quand on est dans une zone de silence, même tes cris auront pour réponse un silence de mort. Tes acclamations auront pour réponse le silence. Tes offrandes auront pour réponse le silence. Mais quand on est dans une zone qui ressemble à Sion, après cet enseignement, je parlerai de Sion. Si vous quittez la zone de silence et que vous atteignez Sion, même vos pensées deviennent des prières, même vos mouvements deviennent des occasions. L'Éternel Dieu montre sa façon de fonctionner. Alléluia. Quand il n'y a pas de révélation, un peuple est sans frein. Bien aimé, tu peux aujourd'hui avoir un compte en banque, renfloué, mais si tu es parmi ceux qui peuplent cette zone de silence de Dieu, tu n'es qu'un malheureux. Parce que tu peux être là quelquefois, un malheur te guette. Tu seras surpris au lieu d'être averti. La surprise, c'est pour des gens qui vivent dans cette zone de silence. Vous savez ce qui est compliqué? Si les Égyptiens n'étaient pas dans cette zone, Pharaon pouvait conserver son armée. Comprenez ce que je dis? Oui. S'ils étaient dans cette zone où ils pouvaient écouter Dieu, parce que cette grâce n'est pas seulement faite au peuple du Seigneur. Vous voyez, lorsque Israël a envoyé un émissaire là, Joseph, il y a un roi, Pharaon, qui a écouté Dieu. D'accord. Il a capté la pensée. Bien qu'il n'avait pas la révélation, plutôt, l'interprétation, mais il a eu quand même la révélation. Et il s'est approché de Joseph. Et Dieu, au travers de Joseph, lui a donné l'interprétation de cette révélation. Donc cela ne pouvait pas aussi empêcher Dieu de dire à Pharaon. D'accord? Puisque la vengeance de Dieu était déjà établie. Déjà, sa vengeance était déjà épuisée. Parce qu'il dit ceci.
Après cela, je tuerai tous les premiers-nés des Égyptiens pour qu'ils se rendent compte de la douleur que j'ai ressentie lorsqu'ils faisaient souffrir mon premier-né Israël. Donc la vengeance de Dieu s'était arrêtée quand il avait tué le premier-né. Il pouvait aussi épargner l'Égypte de ce qui était arrivé après. Parce que je l'ai dit ici, le même Dieu qui a arrêté de détruire Akab, c'est le même Dieu qui a fait entendre Akab que tu peux éviter cela. S'il avait écouté Michée, il pouvait être épargné. N'est-ce pas? Mais comme ils étaient dans une zone, le silence de Dieu, Pharaon est arrivé au bord de la mer Rouge. Il a vu la mer qui s'est séparée en deux. Il a vu le peuple d'Israël traverser à pied sec. Au lieu de comprendre que Dieu a ouvert la mer pour le peuple d'Israël, ce n'est pas pour les Égyptiens. Comment est-ce que je dis? Il était question seulement que le Seigneur dise à Pharaon que ces boulevards est inauguré pour les circonstances. Donc si le pharaon se rend compte qu'il est circoncis, il allait dire à son armée, n'y entrez pas. Le couloir là, c'est le couloir des circoncis. Il pouvait épargner tout son peuple. Mais comme il était un résident permanent de la zone du silence de Dieu, pendant qu'un malheur était en train de le guetter, il ne sentait rien. Il ne voyait rien. Il a perdu quelque chose. Parce que, bien aimé, son arrière-grand-père a reçu la grâce d'entendre Dieu. Mais celui-ci n'a entendu aucune parole du Seigneur. Et lorsque vous êtes dans cette zone de silence de Dieu, vous êtes comme quelqu'un qui a deux handicaps. Deux handicaps. Il est aveugle. Et il est sourd. D'accord. Vous voyez ces malheurs-là? Lorsque quelqu'un est aveugle et sourd, c'est grave. Parce que l'aveugle peut arriver quelque part, mais il ne sait pas où il est. Et il ne voit pas là où il est. Comprenez un peu? Si vous voyez quelqu'un comme Bartimée trouver une brèche dans sa vie, parce que l'Éternel a permis que ses oreilles soient ouvertes. Bien que le diable avait détruit sa vie, mais les oreilles écoutaient. Et c'est ce qui lui a permis de récupérer sa vie. Mais celui qui est dans une zone, le silence de Dieu est comparable à un sourd et un aveugle. Tu ne vois rien, tu n'entends rien. Et c'est la condition de plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, on veut nous faire voir qu'on a Dieu. Parce qu'on peut présenter un véhicule, parce qu'on peut présenter son garage, sa maison, ses comptes en banque, vous courez un grand risque. Imaginez là où vous êtes, bien-aimé. Vous êtes un malentendant, ou disons que vous êtes sourd. Même quand on est en train de vous appeler, vous n'entendez rien. Même s'il y a un danger derrière et que les gens vous avertissent, vous n'entendez rien. Un train peut être derrière vous, mais vous vous sentez en sécurité aussi longtemps que vous êtes à proximité d'un grand danger. Là encore, le sourd a le regard fixé sur la personne, voyant ne fût-ce que
Cela peut lui permettre de comprendre ce que l'autre est en train de dire. Quelquefois par des gestes. Mais lorsque on est sourd, et on est aveugle, est-ce que vous pouvez mesurer votre malheur? Hein? C'est ça lorsque vous vous retrouvez. Vous savez quoi? Vous pouvez répondre à un sourd. Mais lui considère qu'il n'a rien entendu. Amen. Parce que la zone du silence, non seulement que ça vous prive de voir Dieu, mais ça peut aussi détruire votre vision. La zone du silence peut aussi boucher vos oreilles. Même quand Dieu parle, vous n'entendez rien. Vous savez, bien aimé, à une occasion, l'Éternel Dieu a parlé à Jésus. Pendant qu'il était sur terre, les gens ont dit, ils ont considéré ces bruits comme un tonnerre. D'autres étaient en train de dire que c'est Dieu qui lui parle. Et d'autres encore non. Pourquoi? Parce que ils étaient dans une zone de silence. Vous voyez ce texte de la Bible qui dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce sont les hommes qui n'y prennent point garde. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Dieu parle. Mais vous n'avez pas reçu la capacité. Écoutez. Et capter. Yako sosola. Et votre vie demeure en danger. Vous êtes en danger. Tout est planté aujourd'hui. Pour que même quand on a perdu la voix du Seigneur, qu'on puisse se consoler par les biens de ce monde. Qui te dit que dans le monde les gens ne se marient pas? Qui te dit que dans le monde les gens ne reçoivent pas de grands biens? Si, sans Dieu, ils ont des avantages entre guillemets. Ma bien-aimée, seul avec Dieu, que vous pouvez avoir une vie garantie. Jésus est en train de parler à quelqu'un. Tu dois sortir de cette zone de silence. Tu dois sortir de cette zone. Tu es véritablement en danger. Ça doit te déranger. La nuit comme le jour. Tu es là. Sans savoir qu'est-ce qui peut arriver. Tu te sens en sécurité. Oh, tu es en danger. Alléluia. Amen. Tu es en danger. Paye le prix. Futa. Pour que tu récupères ces statures que tu as perdues. Lorsque vous êtes dans une zone où la présence de Dieu est permanente, bien aimé, aucune personne ne peut vous surprendre. Vous avez le texte qui est en train de dire que le diable rôde tout autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. J'aimerais que vous puissiez comprendre très bien ces passages de la Bible. Ces passages ont besoin que vous puissiez être dans une zone où l'Éternel Dieu se révèle pour que vous soyez épargné. Parce que le danger, lorsque vous et que ce verset-là est cité, c'est pour votre destruction. Je vais vous expliquer ces passages-là.
Soyez prudents, comme la Bible le dit. Zala na bokebi loko bibili elobi. Car le diable pointe Satana rôde tout autour de yenga yenga nzinga nzinga labino. Comme un lion rugissant. Le col en cosse ya kanda. Cherchant qui dévorer. Peko luka nani komela. Entre nous soit dit. Na kati na biso to lobelango. Lorsque un lion soki nkosi veut bondir sur une proie. Alingi alia eloko. Il rougit. Asilika. Est-ce qu'il rougit? Asilika. Il fait comment? Il se cache. Elle a suivi le documentaire lorsqu'un lion veut un félin est en train de chasser. Tolanda soki nkosi aza ko luka bilia. Il se dissimule. Ali mwa kapenza. Il est en train de se cacher. Abatamaka. Il se camoufle. Azoko luka sika pour tromper la vigilance de sa cible. Po oyo azoko luka lia emona yete. Amen. Et si vous voyez une proie entre ses griffes, c'est que cette proie n'a pas été avertie. Dès que la Bible parle du verbe chercher, celui qui est en train de rôder tout autour de nous, il cherche qui dévorer. C'est-à-dire lorsqu'on emploie le verbe chercher, ça veut dire qu'il y a une certaine intelligence. Le verbe rougir parle seulement de sa colère. Parce que quand le lion rougit, il fait comment les animaux qui sont là puissent se disperser. D'accord. Mais le diable, dans ses stratégies, il ne fonctionne pas de la sorte. La preuve, l'Éternel Dieu ajoute. Que le diable est descendu sur la terre animé d'une grande colère. C'est ça, ces rougissements. Mais il ne crie pas de manière à vous avertir. Parce que si les rugissements venaient du diable, tout le monde allait être aux aguets pour savoir que non, il est en train de vouloir m'attaquer. Mais oh, pendant que lui cherche à tomber sur nous, nous sommes épargnés par la révélation de Dieu. Soit Dieu parle, soit il montre. C'est-à-dire soit il utilise nos oreilles, soit il utilise nos yeux. C'est comme ça qu'il a agi lorsque le diable était en train de réclamer les disciples de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais est-ce que Pierre avait écouté comment le diable était en train de rugir? Est-ce que Matthieu entendait? Est-ce que Jean a écouté? Non. Mais c'est Jésus qui voyait qu'il était en train de chercher. Et lui, en tant que Dieu, il a prouvé que ses disciples, à ce moment-là, n'étaient pas dans une zone de silence. Et il leur a parlé. Et il a dit particulièrement à Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faille point. Mais lorsque tu seras affermé, affermé tes frères, la zone du silence et le virus qui détruit beaucoup d'enfants de Dieu. La zone du silence est une porte qui fait entrer des grands malheurs dans la vie. Quelqu'un peut me dire oui. Je n'entends plus Dieu. Et tu entends qui? Tu entends qui? Vous savez qu'il y a un homme qui a entendu aussi une voix mais qui n'était pas celle de Dieu. Judas. Judas. Amen. Amen. Pour qu'il aille vendre le Christ, la Bible dit que le diable est entré en lui. C'est le diable qui le conduisait. C'est lui qui le motivait. C'est lui qui le parlait. Et Judas est allé exécuter ses sales besognes et qui lui a coûté même la vie.
Alléluia. Amen. Tu dois quitter cette zone de silence. Aujourd'hui, nous avons dans l'église des gens qui ont comme requête. Donne-moi. Bénis-moi. Élève-moi. Rends-moi ceci. Mais moi. Et ceux. Moins de ceux qui disent. Je vais encore t'entendre, Seigneur. Je vais encore te voir. Jésus. Alléluia. Amen. Tu as intérêt à regretter ce que tu as eu à perdre. Dans cette marche chrétienne, Dieu nous a enseigné beaucoup de choses, il continue aussi à le faire. Il y a des moments où quelquefois on se rappelle de ce que Dieu voulait normalement dire lorsque la situation s'est déjà produite. Il va te rendre compte. Quelquefois à chaque instant que tu es à perdre un membre cher de la famille. Quelquefois tu peux trouver ça, considérer ça comme une surprise. Mais quand tu reviens en toi, et que tu commences à rebobiner des manières de moments précédents, tu vas te rendre compte quelquefois Dieu était en train de faire des choses. Alléluia. Amen. Vous devez sortir de cette zone. J'ai rencontré un serviteur de Dieu ici. Cet homme de Dieu, à une certaine période, avait reçu un message. Il était quelque part où il y avait un groupe d'oiseaux qui était en train de survoler. C'était tellement nombreux. Alors il me dit, lorsque j'ai regardé attentivement, je me suis rendu compte que ce n'était pas des hirondelles comme j'ai pensé. Mais c'était des chauves-souris. Et quand je regardais, ces chauves-souris voulaient atterrir là où j'étais. J'ai entendu une voix qui me dit, prie. Bondela. Il parle d'abord à la personne. Peloba na moto. Prie. Alobina e bondela. Priez. Bo bondela. Pour que ces choses ne se produisent pas. Te makambo e komate. Il dit, alobi. Docteur. Dans le songe, on a commencé à prier. Nando to bandi ko bondela. Après quand je me suis réveillé, tanguna lamuki. J'ai pris cela à cœur. Je commençais à prier. Prier, prier. C'était devenu mes requêtes. Me sensibiliser un groupe de gens en étant en train de prier. Quelques temps après, je revois le même message. Ces oiseaux-là, au-dessus de nos têtes. Et dans le songe, je me vois en train de prier avec certaines personnes. Du coup, ces oiseaux se sont déplacés de là où nous étions. Et ils sont allés échouer ou atterrir de l'autre côté du beach de Brazzaville. Et le Seigneur me dit, c'est fait. Mais priez aussi pour ceux de là. Bien-aimé, vous savez ce qui s'est passé? Quelques temps après, la guerre de Brazzaville a commencé. Guerre à Brazzaville et Bandi. Dieu lui a dit, ce qui se passe là-bas, devait se passer ici. Amen. Amen. Et vous allez vous rendre compte que ces deux nations avaient connu le même vent. Et n'est-ce pas? Et le Seigneur avait tendu sa main. Ici, pourquoi? À cause de ce qu'il a révélé. Pour
lorsqu'on est en parfait accord avec le Seigneur, on ne peut jamais être surpris. Amen. Amen. Pendant que Élie, le sacrificateur, était là, dans sa maison, avec ses enfants, il ne savait pas qu'il y avait un danger qui guettait sa maison. Et gloire soit rendue à l'Éternel. Et dans le temple, il y avait un enfant qui s'appelait Samuel, qui n'avait pas accès à cette zone où le silence de Dieu était constaté. Elle dit, quand vous regardez cette histoire entre Samuel et Élie, leur différence, c'est parce que Élie était dans cette zone de silence et Samuel était hors de cette zone, et pourtant c'était lui le souverain sacrificateur, mais il n'écoutait plus rien et il ne voyait plus rien. Et quand l'Éternel Dieu est venu parler à Samuel, ils étaient dans la même pièce. Mais Samuel écoutait une voix, mais Élie n'écoutait rien. Et à chaque instant que Dieu parlait à Samuel, Samuel allait vers Élie pour dire à Élie, Père, est-ce que tu m'as appelé? Il dit non. Va te coucher. Je ne t'ai pas appelé. Samuel va se recoucher. Dieu l'appelle encore. Mais Élie n'entend rien. Samuel se lève. Il va vers Élie. La deuxième fois. Élie dit, va te coucher. Je ne t'ai pas appelé. Troisième fois. Jusqu'à ce qu'il lui a dit, certainement, c'est l'Éternel qui te parle. Alors cette fois-ci, si tu entends cette voix, tu vas répondre en disant, Seigneur, parle, car ton serviteur écoute. Et quand il a répondu de la sorte, il y a eu un discours, un dialogue entre Dieu et Samuel. Mais Élie n'écoutait rien. Alléluia. Élie n'écoutait rien. Et le matin, il appelait le jeune Samuel pour lui dire, dis-moi ce que l'Éternel t'a dit. Mais c'est toi qui es le souverain sacrificateur. C'est toi qui es censé écouter l'Éternel. Mais comme il a payé son billet, il a reçu un visa pour cette zone de silence. Samuel a dit à Élie, voici ce que l'Éternel a dit. Et la sentence est arrêtée contre ta maison. Amen. Amen. Élie ne savait pas que celui qui était dans le ventre de sa belle-fille, c'était Ichabod. C'est-à-dire bannir la gloire de l'Éternel. Cette famille a connu une destruction terrible. Le même jour, ils ont perdu le fils d'Élie. Le même jour, Élie est mort. Quand il a pris le décès de ses enfants, et quand il a pris aussi que l'arche de l'Éternel avait été capturée, Élie est tombé à l'envers. Il a cogné sa tête contre une pierre. Il est mort sur place. Et sa belle-fille mettra au monde un enfant qu'on appelait Ichabod. Ça veut dire bannir la gloire de l'Éternel. Mais ses malheurs étaient déjà à la porte. Mais le sacrificateur Élie ne le connaissait pas. Plusieurs sont dans cet état. Il peut y avoir, bien aimé, un malheur qui te guette. Un malheur qui te guette. Et puisque tu as perdu la voix de Dieu, comme ce qu'a vécu ici Kéazi, il a prié, mais il a eu ni voix ni signe d'attention. Ça peut être ton cas. Ça peut être ton cas.
C'est pourquoi ce soir, Dieu est en train de te parler. Tu dois quitter cette zone. Cette grande complicité satanique qui aujourd'hui est en train d'exciter les enfants de Dieu à développer tout ce qui est matériel et mondain au détriment de ce qui est spirituel. Ce n'est pas un message qui vient du royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Si bien qu'on a des personnes qui peuvent s'engraisser, peuvent avoir beaucoup de graisse à l'intérieur. On est maigrichon. On peut être équilibré par rapport à ce que nous avons sur cette terre. Mais dans ce qui est du royaume, on est loin. Loin. Vous savez bien aimé. Même Ézéchias avait reçu une grâce de la part du Seigneur. Oui, nous pouvons dire que Dieu avait arrêté sa mort. La grâce qu'il a reçue, c'était de savoir que Dieu a décidé de sa mort. Ça lui a permis d'implorer la miséricorde. Mais si toi tu n'entends rien, comment tu peux prier? Si tu ne vois rien, comment tu peux prier? Voilà la chose qui fait aujourd'hui que beaucoup de personnes ont du mal à adorer Dieu. L'adoration. On peut avoir des louangeurs dans l'église, mais les adorateurs, parce que ces deux dimensions font naître les adorateurs. L'adorateur est celui qui dit ce que Dieu est. Et pour en arriver, soit tu dois voir ou tu dois entendre. Amen. Tu dois voir ou tu dois entendre. C'est-à-dire que tu dois avoir des yeux qui voient et des oreilles qui entendent. Et vous verrez même parmi les adorateurs de cette époque, il y a eu Bartimée. Mais il était aveugle. Et comment il adorait Jésus? Je parle de l'adoration. Pendant que les gens ont dit à Bartimée, c'est le Christ qui passe. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Mais il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Or l'adoration dans sa définition, c'est dire ce que Dieu est. On lui a présenté Jésus-Christ. Mais il est en train d'appeler le fils de David. La dimension. Alléluia. Amen. Fais attention. Ça fait peur de gens. Je t'encourage, bien-aimé. Quand tu as besoin de quelque chose, Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. J'ai besoin d'un travail. Pasteur, j'ai besoin d'un mariage. J'ai besoin de telles affaires. J'aimerais aussi que tu te soucies de ce qui est spirituel. J'étais en train d'entendre. Mais ces derniers temps, j'étais en train de voir. Mais ces derniers temps, je ne vois rien. Alléluia. Amen. Ça doit normalement constituer une préoccupation. Un souci. Regardez bien aimé, une seule nuit. Une seule nuit. Avait la valeur de 14 ans. Une seule nuit. Avait la valeur de 14 ans. Pharaon dit Pharaon à Joseph, dans mon sommeil, j'ai vu 7 vaches
grâce qui montait. Et après, sept vaches sont venues avaler ces sept vaches. Mais leur apparence n'avait pas changé. Et après, j'ai vu sept épis. Sept. Après, sept épis grillés. Brûlés. Et avait avalé ces épis grasses. Pleines. Et rien n'a changé. Après, je me suis réveillé. Joseph lui dit, Joseph a lobi na ye. Ce qu'a vu le roi n'est qu'une seule chose. Les sept épis, sept épis pleines ya kotonda représentent sept vaches grasses. Sept épis brûlés. Sept épis wana ya kozika. Et représente sept vaches maigres. Et ces sept vaches parlent de sept années. C'est-à-dire qu'il y aura sept années d'abondance qui seront suivies par sept années de grande famine. De la même manière que tu as vu les sept vaches grasses être avalées par des vaches maigres, les sept années de famine avaleront les sept années d'abondance et il y aura une très grande famine. Pharaon dit, et que devons-nous faire? Voici la volonté de Dieu. Pendant les sept années des grandes familles, non, des grandes abondances, vous allez épargner le 1/5 récolte pour pallier à ces sept années. Hein, bien-aimé, une seule nuit avait la valeur des 14 ans. Toi qui as l'habitude quelquefois de négliger certaines choses, tu dormais comme un fils du royaume. Dès que tu mettais la tête sur l'oreiller, la connexion céleste était ouverte. Tu pouvais capter. Et aujourd'hui, vous savez, bien aimé, il y a des choses que nous devons quelquefois regretter quand on est réellement spirituel. Comment c'est normal? Jacob, tu dors à la belle étoile. Tu poses ta tête sur une pierre. Mais tu vois le trône de Dieu. Dieu assis sur son trône. Mais le jour où tu entres dans une maison, tu montes au lit dans ta chambre. Tu ne vois que le plafond de ta maison. Non. Dis après moi, cela a changé. Pendant que j'étais à la belle étoile, le ciel était ouvert. Mais maintenant, dans les bonnes conditions, le ciel s'est ouvert. Vous savez quoi? Si le ciel était resté dans cette position, si la connexion qu'avait Jacob était toujours à ce niveau-là, il allait détecter. D'abord, Léa. Avant Rachel. Comprenez ce que je dis? Come on. Parce qu'il faut qu'on dise certaines choses d'une manière ouverte. Comment ces deux filles? L'aînée, c'était Léa. Et Rachel était la cadette. Bien aimé, s'il fallait utiliser le théraphim de leur père, qui normalement pouvait avoir ces pouvoirs-là, c'était la grande sœur. N'est-ce pas? Or, ces théraphim-là, les statuettes de leur père-là, c'était de la magie. C'était de l'occultisme. Mais posez-vous la question de savoir pourquoi est-ce que Rachel a volé les thérapies de ça. Certainement, cette fille avait cette intelligence. D'accord? Et ça prouve que si Dieu avait laissé
Jacob faire son choix, il allait rentrer à Bethel en tant que veuf. Parce que Rachel est morte. Et à Koufaki d'arriver là. Il or, Rachel était le choix. Donc, Rachel, Jacob. Lui-même avait choisi. Mais Léa, c'est la femme qu'on lui a donnée. Et c'est celle qui est restée avec Jacob. Toute sa vie. La preuve, là où on a enterré Sarah, c'est là où on a enterré Abraham. C'est là où on enterrait Rebecca. C'est là où on enterrait Isaac. C'est là où on enterrait Léa. Et c'est là où on enterrait Jacob. Mais Rachel a été enterrée à la frontière de Benjamin. Pourquoi? Dans la pensée de Dieu, la femme que Dieu reconnaissait, c'était Léa. Amen. Amen. C'était Léa. Tu as perdu quelque chose? Tu ne te rends pas compte. Ce que tu as perdu. C'est comme ça que Judas, avec les 30 pièces, il ne voyait pas sa pendaison. Amen. Il y a une somme d'argent qui peut t'aveugler par rapport au malheur qui te guette. Alors j'ai dit à quelqu'un, ne te fais pas consoler par ce qui est terrestre. Sois équilibré. Quand tu grandis dans les choses des yeux, tu dois aussi grandir dans les choses des cieux. C'est-à-dire, je permets que tu te développes financièrement. Mais que tu te développes aussi spirituellement. C'est ce que nous voyons dans la vie de Job. Job était riche. Mais de l'autre côté, il entendait Dieu. D'accord. Il dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Et quand il parle de sa dimension de foi, il parle de ce qu'il était avant. Mais dans ce qu'il était avant, la Bible dit qu'il était riche. Mais il entendait Dieu. Mais lorsqu'il a reçu le double de ce qu'il avait, il commençait à voir Dieu. Lui-même le dit, mon oreille avait entendu parler de Dieu. Ça parle du passé de Job. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et quand Job est en train de dire, mon œil t'a vu, il était au double de ce qu'il avait. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas seulement de grandir financièrement, matériellement, mais que tu grandisses aussi spirituellement. Et je te conseillerais même, ta croissance doit d'abord commencer dans le spirituel. Parce que le spirituel est une primitive pour le matériel. Alléluia. Il y a un passage de la Bible que j'aime beaucoup. Esaïe dit ceci. Moi l'Éternel. Oh Éternel. Moi l'Éternel. Je donne la prospérité. Et je suscite l'adversité. Et je crée le ténèbre. C'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que dans ta vie, lorsque tu constates que la prospérité est là, tu dois la faire accompagner par la dimension spirituelle. Mais qu'est-ce que nous constatons souvent? Lorsque quelqu'un commence à se développer matériellement, financièrement, équilibre, il s'installe dans sa vie spirituelle. Entendez les gens qui vous disent, j'ai pas le temps de prier, j'ai beaucoup travaillé, aujourd'hui j'ai eu beaucoup de dossiers, j'étais à gauche et à droite, ne te rends pas compte que de l'autre côté une jambe commence à s'atrophier.
ça commence à s'atrophier. Et comme il conda, tu deviendras infirme. Sans le savoir. Oyebite. Un œil. Lisomoko. Commence à se fermer. Et comme il kokangama. Et l'autre est en train de s'ouvrir. Tu deviendras déséquilibré. Sors. Bima. De cette zone. Nesika wana. Le silence de Dieu. Amen. Amen. Sors de cette Bima zone. Nesika wana. Je t'assure que l'Éternel Dieu parle. Si tu es en accord, en parfait accord avec le Seigneur, tu ne seras jamais surpris. Surtout pour nous, les enfants de Dieu. Le malheur nous guette au quotidien. Mais quand on est avec l'Éternel, quand on est avec Dieu, on est préservé. Autant de fois que l'ennemi conçoit un malheur, autant de fois l'Éternel Dieu révèle ça. C'est comme ça que la Bible dit. Toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel est celui qui te révèle. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire quoi faire. Qui t'a donné de vivre permanemment dans cette zone de silence de Dieu? Écoutez ce que la Bible est en train de dire. Apocalypse chapitre 3 verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Je te conseille d'acheter de moi de l'or pur. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche et de vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas. Et un collier. Non, un collier pour oindre tes yeux. Enfin que tu vois. Amen. Amen. Oui. Amen. Un collier à tes yeux. Pour que tu vois. J'ai dit, il y a des gens aujourd'hui qui ont deux infirmités, deux fois handicapés, les aveugles muets. Qu'est-ce que tu dis? Les aveugles sourds. Aveugles et sourds. Ils n'entendent rien. Ils ne voient rien. Mais on est en train de vivre. Tu dois quitter cette zone. Tu dois quitter cette zone. Est-ce que vous savez que nous avons la qualité des sentinelles? Hein? Vous le savez? Le Seigneur a accordé une mission à tous. Il a dit quoi? Alobi. Veillez. Bosenzela. Veillez. Bosenzela. Bien aimé. Bolingami. Qui malgré la grandeur de son cœur. Nani atakomo nena motema na ye. Peut aller engager. Akoki ko kende ko soa. Une sentinelle aveugle. Moto na lolanda mosenzeli na ye. Et sourde. Pe ayoka kate. Qui peut le faire? Nani akoko sala yango. Qui? Nani. Moto te. À cette époque en Israël, lorsqu'on parlait des sentinelles, leur lieu, leur poste, était sur la muraille. Sur la muraille. On ne pouvait jamais voir une sentinelle dans la ville. Il était toujours sur la muraille. Et il devait avoir la capacité de voir loin. À cette époque, il n'y avait pas de jumelles. Comme la technologie que nous avons aujourd'hui. Mais il devait voir plus loin. C'était des aigles de cette époque.
Les aigles de cette époque avaient la qualité des aigles. Sur la muraille, ils doivent voir. Et ils avaient des trompettes, des cornes. Dès qu'ils voyaient très loin, voyaient une poussière qui montait, qui prenait la corne, qui sonnait. Il avertissait la ville. Et là-bas, les militaires commençaient déjà à s'apprêter. Parce qu'on a sonné, c'est qu'il y a eu une menace. Bien-aimé, si l'Éternel Dieu t'a établi dans cette famille comme une sentinelle, est-ce que tu mesures au moins le danger lorsque tu deviens aveugle? Lorsque dans ta maison, toi qui dois jouer le rôle d'une sentinelle, tu deviens aveugle. Est-ce que tu mesures les dangers? Tu mesures les dangers? La sentinelle n'a pas la vision de tout le monde. Ouais. Il doit avoir la capacité de voir loin. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un comme Esaïe qui a prophétisé sur Cyrus, hein, des siècles avant. Balaam était capable de voir le Christ déjà là dans le désert. Je vois une étoile qui sort d'Israël. Cette étoile sera vue par les mages. Balaam l'avait déjà vu au temps où Israël marchait dans le désert. Et vous savez quoi? Un aigle, lorsqu'il ouvre grandement ses yeux, il le voit là devant. Mais quand il commence à fermer ses yeux, quand il commence à serrer ses yeux, il voit très loin. Très loin. Tu dois quitter cette zone. Quitter cette zone. Samuel avait vu déjà Samuel a monaki Saül. Saoul. Avant qu'il ne vienne. Et il a même demandé au cuisinier de préparer le morceau qu'il devait manger. Voilà un peuple averti. Dès qu'il arrive, il lui dit, ne t'inquiète pas. Les ânesses de ton père sont déjà retrouvées. C'est l'Éternel qui t'amène ici. Viens manger avec moi. Il dit au cuisinier, servez-lui le morceau que je vous ai dit. Et on a donné à Saül l'épaule. Alléluia. Amen. Tu dois quitter cette zone. Tu dois quitter cette zone. C'est vraiment obligatoire. Tu dois la quitter. Cette zone. Elle est tellement dangereuse. Par rapport à tes oreilles, la Bible est en train de dire que l'Éternel Dieu va déboucher tes oreilles pour que tu entendes comme les disciples. Ce soir, quelqu'un peut prier, dire à l'Éternel, Seigneur, sors-moi de cette zone. Seigneur, sors-moi de cette zone. Sors-moi de cette zone. Aussi longtemps que tu demeures, tu es en danger. Ceux qui sont autour de toi sont en danger. Ta famille est en danger. Prie le Seigneur.
Prie Jésus. Bondela Yesu. Parle au Seigneur. Lobanankolo. Si tu pouvais parler comme la femme de Manoah a prié. Il dit que l'ange qui nous a visités revient encore. Que l'ange qui nous a visités.